Bonjour, ce cours présente comment désinstaller un programme sur votre ordinateur. Alors c'est soit parce que le programme s'est installé alors que vous ne l'aviez pas vraiment demandé, ou alors parce que vous voulez faire de la place sur votre ordinateur. Il faut savoir que ce n'est pas les programmes qui prennent le plus de place, mais ça peut être utile quand même. Donc comment on fait? On va dans Démarrer, dans le panneau de configuration. Voilà, alors vous pouvez la voir également sous cette forme-là, mais je préfère la voir en classique. Donc vous avez affichage classique, où là c'est plus simple, il y a tout directement. Voilà, enfin plus simple. Vous avez tout, c'est pas forcément plus simple. Alors si ça s'affiche non pas en liste mais avec des icônes, vous pouvez choisir en faisant un bouton droit, affichage. Vous voyez, vous pouvez choisir d'avoir des grandes icônes, tout ce que vous voulez. Donc moi par défaut, je le mets en liste, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et donc là, on a une icône qui est programme et fonctionnalités. Donc on va cliquer dessus. Voilà, et là il vous propose tous les programmes installés sur votre machine. Donc si vous voulez en enlever un, par exemple Archiver WinRAR, vous cliquez dessus et vous cliquez tout simplement sur désinstaller, modifier. Voilà, petite sécurité Vista. Là, il vous demande si vous voulez poursuivre la désinstallation de WinRAR. Oui. Et voilà, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à fermer. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.